Eh bien bonjour tout le monde, c'est Nico Pa et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de l'atelier du jeu vidéo. Leçon 5, la chambre des mystères. Alors ça c'est... Vous devez savoir un truc, ça fait 2 semaines que je n'ai pas touché au jeu. Donc là oui, quand je tourne cette vidéo là, donc c'est pour le samedi... Attendez, merde. C'est pour le samedi 24, c'est ça. Pour le samedi 24 et on est que le 20 juillet quand je tourne. Ouais, du coup je suis vraiment en retard, je n'ai pas tourné énormément de vidéos en avance, mais là ça y est, je vais tryharder limite tous les trucs qui nous restent. Et étonnamment, on n'a que 9 trucs. C'est cool, mais bon. Ah, Lémi, je t'attendais. Entre, je t'en prie, bienvenue dans la chambre des mystères. Tu vas faire un jeu à la troisième personne, merde. Ici, il va falloir faire marcher sa cervelle, car il est question de résoudre des énigmes. C'est la fin de cette vidéo, au revoir tout le monde. Si je ferai du montage, je vous jure que j'aurai coupé la vidéo. Mais je n'en fais pas, du coup, fuck. Ça me fait penser à un moment dans Stanley Parable, je sais pas pourquoi. Pourquoi il y a eu un brouillage? Ceci est la première fois qu'on nous aurons affaire à un espace en 3D. Nous allons créer une pièce remplie d'objets bizarres. Et le personnage devra fouiller cette pièce pour trouver des indices. S'il résout l'énigme, il mettra peut-être la main sur un fabuleux trésor, c'est-à-dire que dalle. Ça a l'air passionnant, non? J'ai hâte qu'on s'y mette. Ouais, forcément, alors... Ah. Voilà, on est en troisième personne, là. D'abord, posons le sol. Une minute. Tu te dis peut-être qu'il y a déjà un sol à l'écran du jeu. Hé, le sol que nous allons créer, nous-mêmes, est précisément l'un des mystères de cette chambre. Nous allons appeler l'objet bloc. Et putain, qu'est-ce qu'il va être gros, ce con. J'arrive jamais à être précis, c'est horrible. Maintenant, vous savez paramètres. Propriété. Ah. Ah, la couleur vert citron. De temps en temps, je me demande s'ils mettent pas des paramètres en plus. En ouvrant la porte, vous pénétrez dans une pièce dont l'atmosphère est chargée de mystères et d'étrangetés. Yop, je serai le seul sur lequel l'énigme devra être résolue. Nous allons maintenant créer un deuxième sol à côté du premier. Fais une copie. Mais... Connard, laisse-moi le déplacer, oh. Ah, fuck. C'est chiant parce que quand t'es pas trop précis, ben, choisis la couleur noire. Tu peux fermer. Ah, bon, on s'en branle. Le sol noir. Maintenant, vu au-dessus, nous avons bien 2 sols de couleurs différentes. GG, Lémi. Le sol vert citron est celui de la pièce où le joueur devra résoudre l'énigme. Et le sol noir est réservé à la pièce secrète. Le personnage doit être impatient de commencer, alors on va tout de suite le faire entrer en scène. Merde, c'est vrai, j'ai oublié qu'il fallait appuyer sur croix. Nous donc, bonhomme. Je suis le bonhomme. Coup de poing. Attendez, what? C'est où le coup de poing? Ah, ok, ici. Parfait, tu peux fermer ces paramètres. Le coup de... Mettons-nous juste du dessus. Bon, pour notre personnage... Pour que notre personnage puisse fouiller la chambre, il faut qu'il puisse se déplacer vers la gauche, la droite, l'avant, l'arrière. Appelons un nom de stick. Ah non, donc Sticky est pas là. Au bas. Un nodon stick gauche.
Connecte-le. Connecte le nodon stick au bas. Au port avant-arrière. Et maintenant lui. Gauche-droite. GG les mi. Tu es trop fort. Personne ne pouvait s'y attendre. Et ouais, c'est ça la programmation. Maintenant, nous allons nous occuper du coup de poing de notre personnage. Y. Oh, paf, vous donnez un coup de poing sans trop savoir pourquoi. Rien ne se passe et vous vous sentez un peu con. Pouah, si tu veux donner des coups de poing dans le vide, c'est ton droit. Ouais, il nous faut une caméra. Pour qu'on puisse bien voir la scène et le personnage, il faudrait que la caméra filme en diagonale depuis un point de hauteur. Un tout nouveau nodon. Appelle un nodon caméra, sélectionnons objet, écran de jeu caméra. On dirait que vous avez besoin de mes services. Nodon caméra, ouais. Alors, de quoi il s'agit? Ouais, pas de problème, je sais faire ça. Une autre caméra va agir comme une vraie caméra, donc il faut le placer à un endroit où on aura une belle vue sur l'écran du jeu. Waouh! Quelle vue plongeante! C'est tellement beau! Mais cet angle n'est pas très idéal. Ouais, il y a de l'idée, hein, ça rend bien. Je me taille. Allez, salut, bande d'enculé. Ouvre les nodons. Tu vois, on peut faire... Ouf, l'axe X sur 4. 4,00. Et Y sur 17. 0,00. Parfait, on peut fermer. Voilà ce que ça donne. Wouhou, 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 wouhou. Allez, je me casse. Ah, tu es mode d'enculé. Ouais. Merde, mauvais côté. Elle est où ma bagnole? Eh ouais. Je l'ai perdu. Fuck. On dirait bien qu'on y est. Tu as terminé l'étape 1. Wow. Putain, il était long cette étape 1, hein. À suivre. Bon, on se retrouve à l'étape suivante. Waouh. Hey, yeah. Yeah. Commençons par le mur du fond. Sélectionne ce nodon. Fais une copie. Ah, ok. Ah, mets en vue de côté. Ensuite, ouvre ses paramètres. Pour la couleur, il nous faut du blanc. Bien, renferme les paramètres. En effet, c'est bien un petit mur. Ce n'est que le début, on va en faire... Un mur à fenêtre, ça veut absolument rien dire. Fais une copie. Attendez quoi? Voilà, comme ça c'est plus simple. Excusez-moi, mais voilà. Hein. Faut faire la facilité quand ça nous casse les couilles.
Ok, alors voilà. Où ces paramètres. Et choisis du noir. Et regardez, je glisse. Je suis Superman. Et Buzz l'éclair. Yay. Vous pouvez pas peut-être mettre en clé. On va utiliser ce nodon, on fait une copie. Et tire-le. Oh putain, le petit truc de merde. Ça va être un petit caca tout mignon. Oh, le petit caca, il est tout mignon, il est tout joli. Oh, c'est mignon. C'est mignon, les caca. Voilà. Putain, c'est relou. Wouhou, qu'elle est belle. Tiens, on va faire du soleil. Appelons un nom dans monde. Ah, bah d'accord, il est là. Monde. Éclairage du monde. Éclairage jour. Tu peux ajuster la direction du soleil. Bon, ok, fuck. Waouh. C'est bien, ferme les paramètres. Ouais. Allons voir notre nouveau. Oh mon dieu, c'est tellement beau, putain, ouais. Oh. Ok. Voilà. Fais une copie en plus fin. Ok, les paramètres, mais la couleur noire. C'est trop classe, putain. Ouais. Ouais. Copie-le. Oh putain. Passons en vue de côté. Ah, c'est bien. Au moins, on m'aide un peu. Ah non, faut juste le mettre là. Ok. Ben, ouvrons ces paramètres, mettez la couleur blanche, refermez les paramètres, allons voir notre plafond. Oh mon dieu. Hé hé, je suis là. Mais on dirait que la pièce est terminée en fait, non. Comme tu l'as déjà remarqué, quand tu déplaces le bonhomme vers la caméra, il disparaît. Tu veux bien le ramener à l'arrière pour le faire revenir? Non, il ne revient pas. Ce qui s'est passé, c'est que le bonhomme est tombé au sol. Il est arrivé à un endroit où la caméra ne peut pas le voir. Il va donc falloir trouver un moyen de l'empêcher. Repasse en vue du dessus. Et ça y est. Copie un de ces trucs. Ok. Mais on ne voit rien, c'est nul, ça pue la merde. Ah d'accord, il veut sélectionner notre mur d'avant, ses paramètres. Visible, visible. Ah non, désactive l'option visible. Voilà. Yeah. Wouhou. Wouhou. Plus aucun risque qui tombe. Cette fois-ci, la pièce est vraiment finie. Et voilà, on a terminé l'étape 2. Ouais. GG. Ah putain.
À suivre. Mais que allons-nous faire? Allez, salut. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites chez moi, bande d'enculés? Alors, que devons-nous faire? Je parle bien de l'énigme. Il va nous falloir une porte. Alors, qu'est-ce que c'est une porte? Eh ben... Je ne sais pas. À terme, elle nous servira de porte. Appelle un nodon attache. Attache coulisse libre. Qu'est-ce que tu me veux? Nodon attache coulisse libre, ouais. Eh, tu veux que je te. Ah. Ouvre ensuite les paramètres de ce nodon objet. Ah non, celui-là. Ah! Putain, mais c'est horrible, je peux pas. Attendez. Non, j'y arrive pas. Sa mère. Non, attendez, je vais le tenter. Putain, c'est dur. Attendez, je regarde sur la vidéo. Putain, c'est dur. Putain, sa mère. Bref. Ouvre les paramètres du nodon objet qui nous servira de... S'il parle de celui-là, je me taille les veines. Bon, je le ferai après les vidéos. Propriété, alors... Non, ouh. Le point d'attache... Point d'attache, c'est où cette merde, point d'attache? Ah. Z... Très bien, tu peux refermer les paramètres. Maintenant, attache le nodon à ça. Et voilà, c'est réparé. Nodon stick. R. Au bas. Au port Z. Ouais. Yay. Woohoo. Appelle un nodon stick gauche droite. Au port X parce que Y. Yeah. Ouais, c'est bugué, on se croirait dans Gmod, putain, c'est trop bien, ouais. En fait, si tu te poses la question, la porte de la pièce cachée ne peut pas entrer en collision avec le bonhomme ou les murs. Bonjour. Cela nous permet de... bah oui, c'est une porte invisible, mais pas trop visible. Ça veut absolument rien dire, ce que je viens de dire. C'est très bizarre. Putain, c'est un gros bordel. Propriété solide. C'est bon, tu peux fermer. Et hey, je suis le mur invisible. Je vais t'empêcher de passer, petit salopard. L'entrée est bien fermée. Youhou. Oui, tourne le gentil stick. Ok. Oh. Objet chic de type caisse. Passons en vue de côté. Bon, pour ça on va utiliser le doigt. Ouais, place-le, hop. Ta gueule, connard. Dans la destructible. Dans la saison, faites en sorte que seules les options.
Oui. Bah, dégage, un aura mystérieux, tu ne trouves pas? Il nous faut une télé. Mais que devons-nous faire pour avoir une télé? Appelle un don, objet chic. Je l'ai. Oh. Passons en vue de côté. Mettons ce téléviseur au mur. Oh là là, c'est trop jeune. C'est le bon choix, on ne peut pas nier que j'ai une grande part de mystère en moi. Oh, c'est tellement mignon. Désactive l'option mobile. C'est bon, tu peux fermer. On va regarder la télé. Eh hey, mais c'est qu'il est adorable ce téléviseur. J'ai envie de te casser la gueule, sale fils de pute. Oh, on va pouvoir s'occuper du bouton. Objet de type cylindre. Passons en vue de côté. Et même chose pour ce truc de merde. Combien là? Ensuite, maintenant c'est le pivoter. Ou ses paramètres. Visible et solide. Eh, hey, enculé. Ah, couleur rose. Ok. Appelle un nom objet. Avec nombre. Passons en revue de côté. Oh mon dieu, mais c'est affreux. Dans la section propriété, visible et solide. Couleur sur bleu pâle. Dans la section. X moins. Super, on ferme les paramètres. Ok. Si tu voyais quelque chose comme ça dans une pièce, tu te demanderais à quoi ça sert, pas vrai? Moi, oui. Bon, on a placé assez d'objets mystérieux pour maintenant. On dirait bien qu'on y est, tu as terminé l'étape 3. Ok, du coup, je sais pas. Est-ce qu'on continue maintenant? Est-ce qu'on va faire l'autre épisode? J'ai pas envie de prendre le risque, clairement. Je sais que, personnellement, si de base mes vidéos, ça durait au moins toujours entre 40 et 50 minutes, clairement, je le ferai. Je ferai l'étape 4, même peut-être l'étape 5. Mais j'ai pas envie de prendre de risque, et d'un certain côté, j'ai quand même envie que ce let's play dure longtemps, parce que la programmation, c'est quand même un truc grave intéressant qui est ultra sous-coté quand on y repense. Enfin, en 2021. Hein. Dans quelques années, ça sera tellement sur-coté que la programmation, tout le monde va s'en battre les couilles. C'est pour dire. Au point même que le jeu vidéo ne va peut-être crever pour de bon cette fois-ci. Bref, ça serait déprimant. Bref, voilà, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner. Sur ce, c'était Mikoupa. Et puis moi, je vous dis au revoir tout le monde.